Mais il nous faut d'abord parler de cette équipe lensoise, septième du classement, qui surprend agréablement par ses résultats, mais aussi par son talent, par le jeu qu'elle développe. Lens qui fait honneur au football. Valentin Breuil vous raconte comment les Sang et Or ont retrouvé une place dans le paysage footballistique français. C'est l'histoire d'un promu qui impressionne cette saison. Lens-Rennes, donc demain à 21h, Sylvain Charlet. Actuellement, les résultats sont là. Voilà, on a une équipe. Il faut aussi comprendre qu'actuellement, Lens est le meilleur promu européen. Il faut être très fier de nos Lensois, peu importe. La Ganago, il a une petite faiblesse. Il y a la joie d'être de retour en Ligue 1 et d'avoir une équipe qui propose un jeu flamboyant, et c'est une équipe qui brille en Ligue 1. C'est la fin du cauchemar. Merci Franck Haise, merci les joueurs. Vous regardez un match du Racing, à aucun moment vous ne vous ennuyez. Sur France Bleu Nord. Mercredi dernier, à Bollaert. Le RC Lens a l'occasion d'enfoncer un OM malade et de confirmer sa bonne première partie de saison. Tout commence mal pourtant. Menés 2-0 à la pause face aux Marseillais, les Lensois vont s'arracher en seconde mi-temps pour aller chercher le nul et montrer, une fois encore, tout leur caractère. On tire tous dans le même sens. C'est comme ça qu'on arrive à être dans le haut du classement, et voilà, on va essayer de garder cet état d'esprit pour encore gagner des matchs. Car cette saison, Lens fait vibrer son public mythique que l'on ne peut plus croiser au stade. Ce qui nous manque le plus, c'est d'être en Bollaert, en fin de compte, c'est d'être sur place, quoi, avec la ferveur du public qui est toujours là, donc ça, c'est vrai que c'est dur, quoi. Maintenant, on parle plus beaucoup du Paris Saint-Germain, parce que on parle beaucoup de Lens en ce moment. Et moi, je trouve que c'est bien pour notre région. Tombeur de Paris en août, vainqueur à Rennes, Monaco, Marseille, Lens s'est installé à une surprenante 7e place. Mais c'est surtout son style que l'on remarque, celui de son entraîneur, Franck Haise. On a une vraie caractéristique, c'est qu'on est porté vers l'avant, on est dans le contre-effort de suite, et je pense que ça correspond bien aussi à l'image du club et aux valeurs que prend ce club. Le collectif et la cohésion du groupe, mais le collectif est toujours au-dessus de tout. Voilà. Il y a d'abord un état d'esprit qui est souvent exceptionnel de la part des joueurs et qui ne lâche rien. Ça, c'est une évidence. Peut-être l'identité la plus marquée en Ligue 1. Un jeu offensif de l'intensité, organisé autour d'un leader technique, Gaël Kakuta, auteur de 9 buts cette saison. C'est un pied assez incroyable de suivre les matchs du Racing Club de Lens, parce que dans tous les matchs du Racing, on a droit à du spectacle à tout moment. Et régulièrement, en conférence de presse, on le branche un petit peu, le coach, en lui disant « Mais il y a du Bielsa chez vous, il y a de l'Atalanta Berkham dans ce que vous proposez. » Et ben, c'est le credo aujourd'hui du Racing, le Racing de Franck Haise. Mais l'histoire aurait pu s'écrire autrement si un soir de mars 2020, Sotoka n'avait pas inscrit ce pénalty face à Orléans. Lens est alors en Ligue 2. Et sa victoire étriquée ce soir-là permet au club de prendre la 2e place avant l'arrêt prématuré du championnat. À l'époque, Franck Haise, qui a entraîné pendant et dirige seulement son 2e match. Je me rappelle très bien de ce match, qui était un match d'ailleurs très fermé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on savait pas ce que sera le lendemain. Et jamais on n'aurait pensé que c'était le match qui nous permettrait d'accéder à la Ligue 1, jamais. Mais bon, c'est le travail de tout un club. Je pense que c'est vraiment un club qui mérite d'être à ce niveau-là. Le début d'une nouvelle aventure. Depuis, Lens n'a cessé d'étonner, de progresser et surtout d'offrir du plaisir à son public. Voilà, on vit une belle histoire, il faut en profiter. Allons chercher le plus haut possible, sans se fixer de limites. Voilà, mais chaque chose en son temps. Franck Haise, qui fait partie de ces nouveaux techniciens, qui se retrouvent sur un banc alors que c'était pas tout à fait programmé, et qui ose développer des idées, qui ose afficher une vraie identité de jeu.
Oui, déjà, je pense que d'être numéro 2, ça n'enlève pas la compétence. Après, ce que je remarque chez lui aussi, c'est qu'il a un fort charisme. Et pour imposer rapidement ses idées et les donner à son groupe, il faut convaincre. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qu'on apprend moins dans les livres ou dans les cours que fait Habib. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui a permis de donner, quand il parle de l'effort contre effort, on sent que son équipe, elle est convaincue par son projet de jeu autour de Kakuta. Mais malgré tout, ils sont derrière leur entraîneur. C'est une équipe qui a quand même peu de transition. C'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant. Il y a beaucoup de verticalité. Moi, j'aime bien. Mais tu te rends compte qu'ils prennent plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Du fait de ce style peut-être, d'ailleurs. Ouais, c'est confirmé. C'est confirmé dans. Ah, j'ai pas dit une connerie. Non, parce que. Yes. Ça va. C'est la renaissance. Là, il se passe quelque chose. T'inquiète pas, ça viendra. T'inquiète pas. Non, mais c'est vrai que le bilan, il faut le pondérer un petit peu à domicile. C'est plus compliqué pour les Lensois. Ils n'ont gagné qu'une fois lors de leurs 8 dernières réceptions. Et effectivement, ils ont pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Et ils ont battu Monaco à Monaco et Marseille à Marseille. Paul Choucry et Eric Carrière, Lens-Rennes donc ce soir. Et bah, l'air de rien, les Lensois, en cas de victoire, dépasseraient le Stade Rennais au classement. Oui, bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Ils prendraient tout simplement la cinquième place. Les Lensois, c'est plus compliqué pour les Rennais puisque eux sont à 8 points de Monaco avec certes un match en retard à disputer face à l'Olympique de Marseille. Mais la pression aujourd'hui, Eric Carrière, elle est sur les épaules des Rennais qui doivent se rapprocher de Monaco s'ils veulent disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine, la Ligue Europa. Oui, c'est clair que en termes d'objectifs pour le Stade Rennais et par rapport au projet à moyen terme, il faut être européen chaque année pour, évidemment, il y a la partie économique, mais il y a aussi l'attractivité.